tricot avec l'étagère. Tout le monde. Bonjour les copines, bonjour les copains, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour ce let's play de Link ou Larzac. Pas du tout. Mais si. C'est pas Link ou Larzac. Ah oui, non, pardon. C'est Link Ocarina du Time. C'est Link au Cassie. Au Cassie. C'est là où il va en vacances dans le sud avec Zelda. On dirait le sud. J'adore cette chanson. C'était tellement bien. Et toujours en été. Toujours en Hyrule. Merde, c'était tout en haut. C'était il faut pas... que je remonte c'est... encore. Il n'y avait pas un truc à faire avec la flèche et. Si, mais c'est en haut. Merde. Ah non, c'est là. Ah, je suis rassuré. Shit, shit, couille. Voilà. Ah oui, tout à l'heure t'avais dit mais j'ai pas le gros grappin. Exactement. Tout à maintenant, fait. Je peux le faire. Maintenant je peux le faire. Waouh. C'est très impressionnant. Et heureusement que j'avais pensé à pousser ce bloc la dernière fois. Oui, bah oui, t'as poussé un bloc sans trop savoir pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce que... Si, je savais. Oui, non mais... Et là, on a une mini-clé et on est débloqué. Sans trop expliquer ni comment, ni pourquoi, ni les aboutissants et les tenants de l'économie de Corrèze. La Corrèze. Ça défonce. C'est vrai, c'est plutôt sympa. Tu crois qu'un jour, on sera invité en convention? Moi, je suis déjà invité. Oui, oui, je sais, mais en tant qu'iconoblaste. On l'avait déjà été, mais c'est juste qu'on n'a pas répondu. Ah merde! C'est vrai? C'était à... Périgueux, je crois. Ah, c'est dommage! Oui, bon... C'est pas grave. J'ai pas... Hein? Ok? Non, mais je... Mais, hey, c'est pas un reproche! C'est pas grave. C'est pas important. Je balance ça comme ça, c'est pas... C'était là où il y avait... J'ai des copains qui ont fait l'erreur. Enfin, j'ai surtout un copain, Ken Nico, qui est par parenthèse celui qui nous file tous les jeux de merde. Qui est du coup qui a fait sa scolarité à Périgueux. Pas du tout ici. Il m'a conseillé des adresses de nourriture à Périgueux. Ouais. Pourquoi? Parce que. Périgueux, je sais pas. Parce que pour le plaisir Périgueux. De Périgueux. Donc là, et nous, il faut qu'on aille tout en. Voilà, tout au nord. Tout ce que je voulais savoir, c'était savoir où est-ce qu'est le nord. Parce qu'on a une boussole, mais on est incapable de savoir où est-ce qu'on est situé. Je crois qu'il y a un des trucs que j'aime le moins dans la vie, c'est les... La boussole qui sert même pas de boussole. Non, c'est les indications de Google Maps. On parlait de boussole, là. Oui. Parce que quand je suis à vélo et que j'entends « prenez la direction sud-sud-est », tu prends le vélo. Bah, quand je prenais le vélo... Ah oui. Tu sais, Google a changé, hein, Google Maps, entre-temps. Et que j'entendais... C'était il y a un ou deux ans. Et que j'entendais la direction « prenez sud-sud-est », je me disais « ouais, va te faire foutre, j'ai pas de boussole sur moi, qu'est-ce que tu me veux ?» Ça va être beaucoup plus... Ah non, j'allais dire beaucoup plus aisé que la première fois. Niquez-vous ! Niquez-vous ! Ce genre d'esprit revanchard ne vous vaut pas que du bien, monsieur Clast. C'est des monstres, ils méritent de mourir, contrairement à ce que nous apprend Undertale. Heureusement, on n'a pas l'énigme à refaire. Ça, c'est un bon point. Après, c'est des trucs que tu connais, bro. Oui, tout va bien. Donc, bon. On a quel pourcentage du donjon, là, selon toi? Ça va être le dernier épisode de... C'est vrai? Normalement... La vache! Même s'il sera un peu plus long, peut-être un petit quart d'heure, mais... Efficace! Et pas cher. C'est la maf que je préfère. C'est la maf. Maf, la référence qualité. Voilà, on a réussi à revenir à l'endroit où on s'est fait cuck. Ah, on est très smooth hein, sur les placements de produits. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on serait payé 800 milliards d'euros par la maf. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon. Il y a deux sponsors à YouTube, NordVPN et la maf. Mais ça, la maf, c'est un peu... Bah, c'est nouveau, quoi. C'est un peu inconnu, quoi, pour beaucoup de gens. Et là, c'est la clé du gros boss. Eh oui! Exactement. Oui, c'est bon. Et maintenant, il faut remonter tous les niveaux d'eau. Et aller devant le truc du boss. Exactement, qui est étage du haut. On va se prendre une fée quand même au cas où. Bon, j'en ai déjà une, tu me diras. C'est vraiment au cas où j'ai décidé de mourir, quoi. De mourir deux fois. Ouais, ça fait quand même beaucoup de mourir deux fois. Voilà, maintenant vous savez comment passer le temple de l'eau. Bravo! Ne pas perdre son sang-froid.
Vous pouvez le faire. Parce que n'oublions pas que Iconoblast, c'est aussi une chaîne pour vous dire des choses, des messages de motivation. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, fixez-vous des objectifs. Exactement. Il n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. Make your dream come true. Mais c'est Shia LaBeouf. Do it ça. Do it Shia LaBeouf. Bah, je crois que c'est la meilleure comédie musicale. De quoi ? Shia LaBeouf. Il y a une comédie musicale Shia LaBeouf. Tu l'as jamais vue ? Non. Oh, faut que je te montre. Quand on aura fini le tournage de cet épisode, je te montrerai la comédie musicale Shia LaBeouf. Tourner le tournage de cet épisode. Quand on aura tourné le tournage. Il faudra que j'aille en agence immobilière. Ouais, je sais bien. Bon, ici, on a celle-ci. Alors, maintenant, la question, c'est où est Monsieur Leboeuf ? Chez lui, j'y vais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est où que je vais ? Je sais plus où je vais. Pour monter le niveau d'eau. Je crois que c'est par là. Il y avait Ruto ici, je crois. Non, Ruto, c'était pas là. Ruto, c'était pas là. Il était pas ici, le truc, hein. C'est pas ici. Hop. D'accord. Les autres donjons, ils sont plus faciles ? Oui. Et le meilleur, ça reste le temple de l'espoir. D'accord. Toujours, toujours, toujours. The best. Je crois que c'est tout simplement là. Oui, en plus, je crois que y a de la lumière, c'est fait pour. Il y a de la lumière, ils ont indiqué, voilà, convenance architecturale. Tu vas ici, tu fais monter le niveau d'eau, mon con. Exactement. Oh, tu m'appelles plus mon con. Oh. Plus jamais tu m'appelles comme ça. T'as cru qu'on était potes ? Oui, c'est ici. Heureusement qu'ils ont mis le code couleur pour aider. C'est sympa. C'est gentil, très sincèrement. Merci beaucoup pour le code couleur. C'est des mecs comme ça. Comme ça. Pousse vers le haut. Putain, j'ai fait tomber. Immense kéké. Pouet, 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 pouet. Décédé. Non, bah non, tomber dans l'eau comme une merde. Non, décédé. D'accord. C'est bon, on a fini toutes les énigmes du temple de l'eau. On a récupéré le turbo super grappin de la mort infinie. Oui, c'est ça. Et maintenant ? Maintenant, cassons-nous. Maintenant, c'est le boss ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Maintenant, il va y avoir un petit passage chiant que j'ai jamais compris. Pourquoi il existait ? Quoi ? C'est bizarre comme... Et ça glisse. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette chiasse ? Non, ça marche pas, il faut que j'aille là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Qu'est-ce que caca merde ? Pourquoi ils ont mis ça là ? J'en sais rien. C'est très pénible. Là, maintenant, on est au boss. Ça, c'est un peu gratuit. Un peu. Attention, cette eau n'est pas normale. Ah oui, c'est le truc qui passe de... Oui. C'est Morpha. Il est moche, mais il est original dans sa manière d'être tué. De combattre. Il y a des gens qui nous ont demandé Mortal Kombat 11 en versus. J'ai pas envie, j'aime pas Mortal Kombat. J'ai pas envie de dépenser 70 boules pour faire un versus. J'ai pas... Et puis même, genre mécaniquement, j'aime pas jouer à Mortal Kombat. J'aime pas jouer à Mortal Kombat. C'est rigolo à regarder, cela dit. C'est sympa, mais... J'aime bien regarder des streams... Je regarde des streams de Mortal Kombat 11. Je trouve ça très rigide. Mais c'est rigolo, ça. C'est rigolo à regarder, mais j'aime pas jouer. Puis en plus, le système de... Le système de... Le système économique est vraiment à gérer. C'est quoi, le système économique de Mortal Kombat ? Oh, il y a des microtransactions partout. C'est au niveau de... Comment ça s'appelle ? De Dead or Alive ou ça va ? C'est pire. Tu peux pas faire pire que Dead or Alive. T'as l'air de sortir là ? C'est rigolo. Putain, je t'en prie. Oh non, elle va te manger ! Ouais, c'est ça. C'est pas l'air extrêmement sympa. Bah, si les tentacules t'attrapent, elles te viennent. Hein, je crois que j'ai vu des livres sur ce donjon. J'ai vu des fanfictions sur ce boss et Zelda. Et Link. C'est et le mec qui t'a forgé les pubs du goron, il passait par là. Bah voilà, je me suis fait choper. En fait, le but, c'est de récupérer Morpha. Et de la taper. Et de la taper. Problème est que j'ai maintenant un grand grappin.
et que du coup le grand grappin met du temps à revenir, ce qui fait que je suis moins... moins efficace. C'est vraiment ça. Faut chercher la boule. T'as vu Thierry Beccaro a kiffé le pendule ? Ouais, j'ai vu. Il n'agite plus ses boules. Il n'est plus l'agitateur de boules qu'on a connu. Il a expliqué pourquoi il se barrait, Thierry Beccaro ? Bah, je pense qu'il va à la retraite. C'est bien, hein, 62 ans quand même. 72. Ouais, il aurait été vieux, monsieur Beccaro. Je pense qu'il a mis des sous de côté et que c'est bon, il se prend une petite retraite méritée. C'est ça, il va s'acheter une petite maison en Vendée, je sais pas où. Il va pêcher des crabes. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tu vas pas pêcher des crabes, ça. C'est pas grave. Je m'en fous. C'est pas important, c'est pas la blague importante. Morpha aussi, elle est partie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, visiblement. Oui. C'est devenu une flaque. C'est un slime. Moi, quand je me réincarne en Morpha. Exactement. Par contre, il te montre pas là où les cœurs apparaissent quand tu tues un boss. Bah, c'est en bas. Ouais, c'est en bas, mais là, t'aurais très facilement pu passer à côté. C'est vrai. Et comme tu vois, le donjon. Ouais, c'est dans l'ombre. Est juste à côté de la lumière. Ouais, j'ai vu. Donc, c'est la question que nous posons. Sachant que tu peux faire sur l'un, sur l'autre. Voilà, Ico. Tu es bien digne d'être mon futur époux. Le domaine où aura son peuple, vous allez enfin pouvoir se libérer des glaces. Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Même si ce n'est pas possible pour le moment. En tant que sage de l'eau, mon devoir est d'assurer la garde du temple de l'eau. Le tien est de chercher la princesse, comment ? Zelda ? Ah, tu peux rien me cacher, Margoulin. La princesse Zelda est en vie, je le sens, ne te décourage pas. Tiens, Fada, te décourage Maverick, pas. Maverick, ta quête de justice et de paix sera victorieuse, je suis sûr. Prends ce médaillon et mets-le-toi où je pense. Dans le cul ? Ah bah, t'as pas l'air d'avoir de petites besaces. Et voilà, nous avons terminé le temple de l'eau. C'est pas cool d'avoir le badge d'Azuria, là ? Si. c'est le badge d'Azuria. Au revoir. À quoi ça sert concrètement, les médaillons ? Ben, c'est la preuve de ton succès pour les... Avoir rassemblé les sages ? Ouais, pour avoir rassemblé les sages. Mmh. Et les sages, quand ils sont là, ils font quoi de... Eh ben, ils vont pouvoir... En fait, la quête, tu fais tout ça pour créer un pont. Ah, le fameux pont arc-en-ciel. Le pont arc-en-ciel. Le always I pont. Want to be with you. Non, ils seront importants pour sceller Ganon. Oui. Je vois. C'est aussi pour elle que nous devons ramener la paix et jouer en Hyrule. En Gironde. Regarde, Ico, la bête maléfique a péri. Toi et Aprendiz Suruto avez accompli cet acte héroïque. Les eaux pures et claires emplissent à nouveau ce paisible lac. Nous n'avons plus à nous soucier des... C'est quoi les bestioles de l'enfer, là ? En Gironde, c'est les... Les pumpkin chiens ? Non, les lamproies. Ah. Tu sais que ça se mange, hein ? Ouais, je sais c'est que dégueulasse. Ça se cuit dans son sang. Et du vin. C'est immonde. C'est dégueulasse. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui adorent, mais... J'ai trouvé ça dégueulasse. J'en ai mangé, j'ai trouvé ça affreux. Puis une lamproie, c'est très moche. Hein. Tapez sur Google lamproie. Non, ne le faites pas. Au massacre, le Pokémon est une lamproie. Une jolie lamproie. Ouais, électrique. Et là. Ouh. Et là. Vite ! Objet. Ah ! Les flèches de feu ? Oui. Ah oui, il y a des trucs dont je me souviens dans ce jeu. Voilà. Alors, les flèches qui ne servent pas beaucoup. Mais elles sont là. Mais elles sont présentes. Il me semble que les flèches qui font le plus de dommages, c'est celles de lumière.
Oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis elles font beaucoup de mal, oui. Mais elles sont beaucoup plus marrantes dans Wind Waker. Dans les flèches de, les espèces de flèches de lumière, c'est les flèches archéoniques, je crois, dans Breath of the Wild. Je les trouve hilarantes. Elles sont belles. Ah, Jean-Michel Jarre au platine, quoi. C'est incroyable. Ce bah, la tenue archéonique, c'est Jean-Michel Jarre au platine. La tenue archéonique, c'est Link qui s'est arrêté, tu vois, il a sauvé Hyrule, il s'est reconverti dans la musique électro. Et nous, la prochaine fois, on ira au village Cocorico pour faire le temple de l'ombre. Enfin, on aura d'abord le puits à faire, ouais, mais on et ira après, au village il y aura le temple. Exactement. Ok. Bisous tout doux. Bisous tout doux. Au revoir. Au revoir. We are in the love.